Oui, bonne droite, très large, et il revient au corps. Oui, là il recule, s'il recule c'est pas pour rien. Ouais, il est rentré cette droite. Oui, il est pas bien. Ah, il est touché. Oui, il est touché. Il est touché, il faut qu'il continue, oui, Christian. Travaille au corps, magnifique, pour baisser la garde. Oui, et il revient hypercute au menton. Là, bien les crochets à la tête, il est revenu travailler au corps. Eh oui, il est très expérimenté, hein, Alexander. Il a mis deux crochets pour sortir, pour montrer qu'il est toujours là, parce que l'arbitre est là et l'arbitre veille. Qu'est-ce que ça frappe fort, Christian Billy. Mais là tu demandes des coups un petit peu pour rien parce que tu restes avec lui. Boxe un petit peu plus autour de ton jab, jab, jab direct. Joue un peu avec ta distance. Ça envoie du lourd des deux côtés. Et Christian a fait toujours le petit retrait qu'il faut. Il faut juste lever cette main gauche. Contracte la mâchoire. Attention à ce crochet du droit. Bien, c'est bien. Il percute le crochet droit. Et il enchaîne. Voilà, il travaille maintenant, Christian. Il essaye de finir, mais lui dit non. C'est un bloc de granit, ce gars. C'est incroyable. Vraiment. Et il réagit et répond. Tout est bloqué, pas tout, le crochet gauche est passé. Oui, le percute est passé pour Christian. Là, Christian va lâcher les chevaux. Oui, petit répond aussi en face. Et bien, ce doublé là, il est solide. Ah, il est vraiment solide. Oh oui, doublé de l'uppercut droit, crochet droit. Oui, encore. Ah, il peut peut-être finir parce que là il prend une vraie déferlante encore une solide, fois contre Alexander. Et lui dit non, j'ai rien. Il est solide. Il travaille au corps. Oh, les marteaux qu'il envoie, Christian Billy. Attention, il va vouloir travailler à son tour maintenant. Ses coups sont secs et lourds aussi. Énorme performance de Vaughn Alexander qui aura résisté à Christian Mbili, mais qui aura encore une fois, John, fourni un combat intense et dense. In the blue corner, dans le coin bleu, Christian, solide.